Chez Soomingus, emménagé ce matin. J'habite un gratte-ciel et je suis sur le cul. Dans mes yeux, le ciel en panoramique hyper développé. L'Hudson, avec à quai un porte-avions de la dernière guerre. À l'angle ouest de mon profil droit, le jaillissement vertical new-yorkais. Au centre, raide du cul de ce coup de peau, la 10e avenue, héroïne d'un film Massacre sur la 10e avenue, file raide jusqu'à l'horizon. Ce soir, toute cette galerie s'illuminera. La plus grande joaillerie de l'univers. Rivière de perles, scintillement. Galaxies in the night, ville joyau entassant ses écrins. Vive Soomingus. Je me suis réveillé dans le noir, pensant que peu ou prou le matin de New York se lève. J'allume, ma montre marque 2h du matin, le 12 janvier. Nougaroc à Nougayork. Ici, je marche, les yeux renversés vers les gratte-cieux. Ici, je marche, la tête dans les nues de la 5e avenue. Je marche sur je ne sais quelle piste. Je marche dans un rêve hyper réaliste. Manhattan, à hauteur d'âme, Empire State Building, star des nues. Il faut tourner la page, changer de paysage, le pied sur une berge. Vierge, il faut tourner la page, toucher l'autre rivage, littoral inconnu, nu, et là enlacer l'arbre, la colonne de marbre qui fuse dans le ciel. Que tu quittes la terre vers un point solitaire constellé de pluriel. Il faut tourner la page, redevenir tout simple comme ces âmes saintes dans leurs yeux, mieux que toutes les facondes des redresseurs de monde, des faussaires de Dieu. Il faut tourner la page, jeter le vieux cahier des chars. Oh yeah, il faut faire silence, traverser d'une lance qui fait saigner un sang blanc. Il faut tourner la page, aborder le rivage où rien ne fait semblant. Saluer le mystère.